Ben, malheureusement, des personnes à la rue, ça, il y en a dans les deux arrondissements de mon secteur. Voilà. Donc, j'espère qu'à l'issue de cette opération, on sera un peu mieux armés pour répondre à ces situations. Alors, la nuit de la solidarité, le but est de connaître mieux, le mieux possible, la situation des personnes à la rue. Combien sont-ils? Quels sont leurs besoins? Quelles sont les catégories de gens qui sont à la rue pour pouvoir, à partir de là, construire des réponses efficaces à leurs besoins? Eh bien, ce marché de Saint-Victor, qui, je crois, est une réussite aujourd'hui, une fois par mois, et qui, effectivement, permet à de nombreux habitants de passer ce type de moment que nous avons aujourd'hui. Bonjour, nous inaugurons aujourd'hui le nouveau petit jardin du commandant Lamy, qui est donc transféré à la mairie de secteur. Cette inauguration et cette rénovation du jardin fait la troisième étape de l'embellissement du quartier, puisque nous avons dans un premier temps réouvert le jardin Berthier-Albrecht. Nous l'avons remis en propreté, nous mettons une programmation culturelle. Dans un deuxième temps, nous y avons mis ce marché de producteurs avec le collectif Orchamp une fois par mois qui a bien trouvé son public. Et là, nous continuons du coup à embellir le quartier avec ce jardin Lamy qui a donc été réparé en quelque sorte et puis qui sera un projet sobre dans une philosophie écologique avec une bonne maîtrise de l'eau et un jardin méditerranéen. Bon, merci à tous, merci d'être ici. Bon, c'est une inauguration parce qu'on voulait bien faire les choses, c'est surtout un moment de rencontre, hein, voilà, pour vous voir et parler avec vous, puisque du coup c'est aussi un petit hommage à la méthode qui a été choisie, qui était une méthode participative, de voir avec vous, les assistantes maternelles, les habitants, comment on pouvait rénover cet espace de jeu pour enfants. Philippe Kahn, adjoint au Parc et Jardin, qui a piloté cette concertation avec vous et à qui je vais donner la parole. Merci à vous. Merci Madame la Maire, merci à tous et à toutes d'être venus. En fait, moi, ce jardin me tient particulièrement à cœur parce que bon, j'habite au-dessus, moi, j'habite le quartier Saint-Martin. Donc moi, avec mes enfants, ça ne rajeunit pas. Hein. Il y a plus de 20 ans, ben, je descendais tous les jours avec mes enfants dans ce petit jardin. Donc je suis ravi de pouvoir participer à faire en sorte qu'il s'améliore. Donc effectivement, quand on est arrivé, il y a plus de 2 ans maintenant, on a voulu que tous les parcs et jardins, tous les espaces publics soient ouverts au public. Donc ça a été fait. On a donné une priorité un peu aux urgences. C'est pour ça qu'il y a une petite porte là-bas qui a été avec un escalier qui est très à pic. Donc à la demande des parents, à la demande d'un peu tout le monde, on a mis le parc en sécurité pour que les enfants puissent jouer dans ce parc et en toute sécurité. Aujourd'hui, on est le 26 avril 2022 et ça y est, enfin, le chantier de la nouvelle école des abeilles a démarré. Il est même bien avancé puisque l'ancien bâtiment a été démoli. Donc aujourd'hui, nous faisons la visite de chantier avec monsieur le maire et puis on réexplique tous les enjeux de cette école, qui est de permettre d'accueillir déjà les élèves de l'école actuelle des abeilles dans de bonnes conditions, comme c'était promis. On a prévu de réhabiliter l'école actuelle, donc je pense que c'est à la fois une belle école. Pour nous, c'est une école qui doit rester et qui va rester. D'abord, M. Morales a tenu, et nous aussi, à ce que ce soit une école qui s'inscrive dans le temps, à ce que ce soit un témoignage, c'est pas un préfabriqué, c'est pas quelque chose qui va durer 10 ans. On veut marquer les choses. Et encore une fois, moi, je souhaite que cette école, dans 50 ans, elle serve. C'est toujours une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle. Vous savez, quand on est maire, on aime bien inaugurer des écoles. Et après, j'ai d'autres projets prévus aussi à Belzunce et j'espère qu'il y en aura d'autres dans le premier. Le plan école, la rénovation du bâti scolaire, mais aussi le recrutement et le développement de nos activités périscolaires, extrascolaires, pédagogiques. Et la ville de Marseille sera au soutien des parents d'élèves, des enseignants, des directeurs et directrices d'école et de son personnel.
Siroche. Je tenais à dire toute l'importance qu'avait pour la ville de Marseille des manifestations comme celle-ci, manifestations offertes à tous les Marseillais, bien sûr organisées par la mairie du A7 qui le remercie, mais pour tous les Marseillais et pour tous les gens qui passent à Marseille. Marseille est une ville de terre et de mer. Tout ce qui interroge la terre et la mer de ce rapport est particulièrement bienvenu sur cette artère, sur cette rue qui est la plus célèbre de Marseille, qui est aussi la plus ancienne, et celle qui est un trait d'union entre la ville et la mer, comme bleu et comme eau de la mer veulent le faire. Bonjour, c'est la 4e édition de Au bout la mer, un événement de la mairie des 1er 7e arrondissement qui commence à bien prendre sa place avec des invités fidèles maintenant, le public au rendez-vous. Et aujourd'hui, c'est Au bout la mer musique, avec plein de danse et de musique dans la rue, et puis toujours les jeux pour enfants, les spectacles au musée d'histoire. Permettez-nous donc d'être heureux et fiers de proposer des spectacles de qualité, gratuits, qui s'adressent à tous. Certains d'entre vous, vous êtes déjà un public fidèle, et puis il y a aussi le public imprévu qui passe à l'improviste, et c'est ce qui fait la magie de ces moments. Ici à Marseille, le contact entre le public et les artistes est toujours curieux et chaleureux. Je vous invite, avec la maire de secteur, Madame Sophie Camard, à participer aux grandes festivités de la vie associative dimanche 11 septembre sous l'ombrière à l'hôtel de ville pour rencontrer les associations de notre secteur, mais aussi l'ensemble des associations de Marseille. Beaucoup des associations qu'on trouve dans le 1-7, elles sont présentes dans d'autres mairies de secteur. Et ça, c'est très bien. Donc ça valorise aussi leurs activités qui ne se fait pas que dans le 1er et 7e arrondissement. Et en tout cas, ça leur permet, je pense, d'avoir beaucoup plus de publics différents. Voilà. Et puis d'échanger avec d'autres associations. Aujourd'hui, se passe un cours intergénérationnel, ça s'appelle le Courrier Ensemble, organisé par la mairie de Anset. Et c'est le premier événement sportif qui est vraiment de grande ampleur qu'on organise à la mairie. Thank you.
Chaleureux qu'ils sont beaux. Alors, bienvenue dans mon laboratoire. N'est-il pas magnifique?